C'est dans la radio que qu'il y a un agent Solange. Je n'ai pas été notifié. Vous savez? Maintenant, jusqu'à présent, je me pose cette question. Qui est l'élément légal, qui texte légal que le gouvernement prend? Vous savez? Pour essayer de faire suivi transfert Sao. Mais moi, je dis que transfert monsieur Sao, pas qu'à arrêter dossier. Qui voit le gouvernement américain? Ne transfère ça. Dites-nous, sous base, sous qui base légale, transfert ça fait. Vous savez, non? Transfert, monsieur, papa, empêcher suivi dossier. Transfert, monsieur, papa, bloquer dossier. Elle dit, ces messieurs seront jugés par contumace. Elle dit, même le juge a tapé ordonnance de renvoi, même le t'a inculpé, monsieur Sao, même le t'a aux États-Unis. Une décision sera prononcée en leur absence. Et ça, c'est le jugement contre ma soeur. Mais quand on dit, admettons que ça, tu as vu plus GPN des États-Unis, il t'a voulu rentrer en Haïti. Si on veut rentrer, tu as une décision de justice qui vient, on va garantir de venir pour t'apprendre pour venir plus GPN en Haïti. Mais le transfert de ces messieurs, peut-être qu'il est handicapé en quête, parce que juge, d'ailleurs, on va le transfert des messieurs. C'est confrontation que tu as fait. Avec tous les quatre jeunes dans une salle pour jouer la pose une question. Vous savez, malheureusement, ce qui n'a pas été fait, et effectivement, monsieur qui est allé. Tout ceci, c'est pour vous dire que il faut beaucoup d'efforts pour renforcer, pour solidifier, pour restructurer le système judiciaire ici. Allez, je dis à mes collègues. Est-ce que c'est vous pensez que le juge n'a pas connu qui a pris une commission? C'est la question que je pose. Question à poser, est-ce que je la te connais? Vous savez? Est-ce que je te connais? Ou bien est-ce que ce transfert a été fait à leur insu? Vous comprenez bien, oui? Est-ce que le transfert a été fait à son insu? Parce que l'homme parle avec deux trois mondes, il dit écoutez, nous ne connaissons pas. Mais qui sa autorité américaine yo dit? Ah, pardon, haïtienne yo dit. Vous savez, il dit tout ceci mettez en exergue faiblesse du système. Nan. Tout ceci montre que nous supposons gagner un autre système judiciaire. Vous savez, tout ceci. C'est pour vous dire que dans le pays que nous allons faire, dans la nouvelle société que nous avons construite, il faut que justice ait l'autre visage. Mais Daniel Redmi, en tant qu'avocat James Solange, vous ne pouvez pas connaître si vous avez transféré, mais il vient transférer, il plaide coupable. Et alors, il ne connaît pas ça, coupable. Non coupable. Alors, ou même, est-ce que vous estimez que effectivement, il ne connaît pas ça, reproché là, dans le mot président Jovenel Moïse? Vous ne pouvez pas que l'avocat. Et le défenseur de l'application de la loi. C'est cela que j'ai conscience qu'on est si ou non de involved dans le Moïse. Mais ou même comme avocat. Ou même comme avocat, c'est veiller à ce que ces droits fondamentaux soient respectés. Daniel Rémy. Oui. En pile monde qui participe dans le Moïse, audio et travail pour le service de renseignement américain. Et il y a des gens qui concluent qui dit. Les agents à la fois jugés parti. Est-ce que de même avis? Non, pas qu'un avocat parle comme ça. Nous sommes en droit. Le droit, c'est une science normative. Le droit est une science procédurale. C'est-à-dire, là où on profane à parler, il a dit ça lui. Mais moi-même, comme avocat, je ne peux pas entrer dans le piège. Je dois parler avec mesure et minutie. Parce que quand on capte d'un, si mal dit même bagarre avant, regardez, en bas commentaire, là, c'est joué. Moi-même, je dis que comme avocat, les interrogations que j'ai sont les suivantes. Ce transfert, a-t-il été fait sur une base légale? Jusqu'à présent, est-ce que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons communiqué au gouvernement qui dit sur la base du traité signé d'Haïti et les États-Unis, les autorités américaines peuvent s'interférer ou bien peuvent interférer directement dans une instruction? Pas bien que ce soit instruction. Sont instruction, oui. C'est-à-dire son juge, capitaine de monde, il n'y a pas besoin qu'on ait. Comme si il n'y a pas besoin qu'on ait rien, il n'y a pas besoin qu'on ait. Maintenant, ça met le juge instructeur dans une posture gênante. Parce que peut-être que l'État va faire confrontation, peut-être dans la tête, l'État pourrait s'il a joué la vérité. Mais puisque les autorités américaines ont décidé, manu militari de ce transfert, ou après ça a handicapé, instruction. Maintenant, ça n'a pas empêché
instruction finie. C'est-à-dire qu'il y a jugé, quelle que soit l'ordonnance qui va sortir là, l'ordonnance sera prise en son absence. Ça veut dire qu'il y a pris ordonnance de renvoi sur le jugé. Maintenant, le jugé, il sera jugé par contumace. Vous voyez ça, me dit non? Même le pas là, il y a pris peine contre lui. Maintenant, ça est pour en Haïti, puisqu'elle est aux États-Unis, qui ça a fait, qui ça a réservé pour lui aux États-Unis? Si vous payez non coupable, c'est parce que vous ne connaissez pas dans rien. Peut-être que si l'autorité américaine nous joue le contraire, les cas pour peine à vie, les cas pour peine de prison à vie. Si les vins jouent que, si juste américaine nous joue que, ça le dit, c'est pas ça. Les cas pour peine à vie. Mais nous-mêmes, ça qui est important, c'est que en Haïti, c'est bon plaidoyer exposé, fait pour justice nous. Malheureusement, je vais regarder. Il y a trois prévenus. Alors, moi, depuis mon cap, c'est détenu. Moi, je parle des détenus. Moi, je parle des détenus. C'est des prévenus. Ils sont pas devant le parquet. Ils s'appellent des prévenus. On les appelle des prévenus. Maintenant, trois prévenus qui prennent la poudre d'escampette. Ils sont sauvés. Vous voyez ça? Maintenant, je ne vais pas mettre en question qui est-ce qui est responsable. Qui est-ce qui n'est pas responsable. Je vais mettre en question la capacité infrastructure noire pour Kimbel. Comment se fait-il qu'en plein parquet, qu'en pleine journée, trois prévenus s'évadent? Vous avez dit? Et bon, qui est-ce? Il y a les là pour qui est-ce? Tout ça, c'est parce que l'autorité concernée, pas prendre responsabilité, vous avez dit? Pas prendre responsabilité, et ne pas prendre toute disposition pour protéger justice, moi, protéger le système. Alors, peut-être ça, vous attendez? Ouais, imaginons que vous prenez le temps des trois prévenus et puis tous les trois prévenus sauvés. Depuis mon cap, ce ne sont pas des détenus. Les détenus sont des personnes qui ont été l'objet d'un jugement. Là, on a l'air à la fin, on met en prison, on est détenus. Maintenant, ce sont des prévenus qui ne sont pas devant le parquet, on les appelle des prévenus. Qui ça va te reprocher maintenant? Mon baronné, ils ont devant le parquet pour moi. Puisque devant le parquet, je ne peux les appeler détenus parce qu'ils n'ont pas de jugement contre eux. C'est-à-dire que depuis l'avocat qui a parlé de pas connaître, qui a voulu monter, non, il faut former la population. Parce que l'on m'a entendu me dire bêtises, ça va le dire tout. Et puis, mais qui j'ai dit maintenant, on remis pas bon crédit, etc. Non, pas de ça. Ok. Merci beaucoup. Quatre prévenus qui sauvent la partie. Eh bien. Donc, tout à l'heure, t'as dit prévenus. Bravo. Qui ça vous connaît de ça qui passe dans la partie? Ça passe de ça qui vient. Eh, donne vos paroles. Laissez-moi apporter cette clarification pour la population. Des boutons d'un avocat du détenu, courir d'elle. Au niveau du parquet, on ne parle pas de détenu. C'est quatre prévenus qui ont pris la poudre d'escampette, qui sont sauvés. Parce que par devant chaque instance, monde qui dev... alors, la personne en question a un nom. Permettez-moi de porter pression ça. Par devant le commissariat, il y a les gens retenus ou bien interpellés. Vous avez entendu? Par devant le parquet ou bien le tribunal correctionnel, la personne est appelée prévenu. Par devant la juridiction d'instruction, il y a les gens inculpés. Par devant le tribunal criminel, il y a les gens accusés. Et le monde ne finit pas de peine ni qu'on y a les détenus. Là, la prison la plus j'ai peine, il s'appelle détenu. Au niveau du parquet, les quatre personnes qui ont pris la poudre d'escampette sont appelées prévenus. Des bons avocats, vous courez, corrigez. Maintenant, ils disent ça. Pourquoi ça me dit ça? Parce que, écoutez, ça crive là, ministre responsable, directeur cabinet responsable. Parce que nous toujours dit, infrastructure judiciaire, yo manqué. Et ma vie n'a fait encore pour me dire, c'est deux bureaux pour 14 commissaires. Alors, quand imaginez nos systèmes de justice, il y a deux bureaux pour 14 commissaires qui sont attendus. Il y a deux commissaires qui bloquent dans la ville de Chita. Il y a deux juges dans la machine de Chita. Bon commissaire qui vient à 8h, il fait midi, il fait 4h de campé. Il y a le flé. Là, il dit. Elle dit l'État par contre ça. Or, il a débloqué 100 millions de gouttes pour le carnaval. Et puis, dans le niveau parc, il y a deux bureaux pour 14 commissaires. Il y a un commissaire qui Chita, il est sous l'autre. Elle dit frontière avancée. Son cher, sont deux commissaires. Alors, elle a débloqué 100 millions de gouttes pour le carnaval, et puis là, au niveau justice ou non, ou pas, je ne sois besoin. Comme dis-nous, il y a trois personnes qui ont 10 ans de prison pour une juger. Ils ont vu dans le tribunal, ils ont mis au dehors pour qu'ils ne savent pas ce qui est sale. 100 millions de gouttes débloqués pour le carnaval.
Moun nan gen 8 ans prison, lè lè si vin juje a, yon metel de yo. Mè tanè nan li vè nan sak pase ya, gen 4 preveni jondi a ki sove. Don koman yon fè sove, pou ki rezon te la, e so ka di, so konen de sa? Non. Le fèt ke preveni yo sove, se febles l'Etat, febles sistem nan, febles parke ya. Eske si te goun sistem ki efikas, 4 moun san tap sove? Ouè sa m di yon? Est-ce que c'était un système qui est efficace pour t'absorber? Non. Ou qu'à comprendre que ma parole là nous pas à l'aise parce que grand pile monde qui a souffert dans prison. Et m'pas contre ça te reprocher mais li condamnable le fait que dans figure tout monde là en milieu de journée, il y a 4 prévenus qui sauvé. Qui boy a jeune yo? Ouais ça me dit non? Maintenant on dit pour qui sont pas sauvés? Parce que l'État m'en foubé. Est-ce que nous connaissons que local, côté Porca et la Cunha, c'est prêter dans le tribunal du travail? Nous avons 3 jours là pour travailler sur nous. À n'importe moment, nous avons mis le palais de justice dehors. À n'importe moment, nous avons dégagé le palais de justice. Parce que l'État m'en foubé, l'État sanguin, autorité ou pas responsabilité. Elle dit justice n'est pas priorité pour l'État. Justice n'est pas priorité pour l'autorité, ça. Adi, si justice a marché mal, grand pile vagabond marek. Tout autant yon quitte le état de délabrement, la pi bon bouyo. Moi, comme avocat Solange, c'est dans la radio m'tende que y a beau agent Solange. Je n'ai pas été notifié. Vous avez besoin? Maintenant, jusqu'à présent, je me pose cette question. Qui est l'élément légal, qui texte légal que le gouvernement prend? Vous avez besoin? Ou essayer de faire suivi transfert ça? Mais moi, je dis que transfert M. Sao, pas qu'à arrêter dossier. Qui voit le gouvernement américain dans le transfert ça? Dites-nous, sous qui base légale le transfert ça fait? Vous avez besoin? Transfert M. Sao, pas qu'à empêcher de suivre le dossier. Transfert M. Sao, pas qu'à bloquer le dossier. Elle dit que ces messieurs seront jugés par contumace. Elle dit même le juge a tapé ordonnance de renvoi, même l'État a inculpé M. Sao, même l'État aux États-Unis, une décision sera prononcée en leur absence. Et ça, le jugement continue à ça. Mais quand on dit, admettons que Solange t'a vu plus GPN des États-Unis, il t'a voulu rentrer en Haïti. Si on veut rentrer, il y a une décision de justice qui vient, on va garantir de venir pour t'apprendre pour venir plus GPN en Haïti. Mais le transfert de ces messieurs, peut-être qu'il est handicapé en quête, parce que juge d'ailleurs, envers le transfert des messieurs, c'est confrontation que tu as fait. Avec tous les 4 jours dans une salle, pour jouer la pose de question. Vous savez, malheureusement, ce qui n'a pas été fait, et effectivement, monsieur est allé.